Comme vous le savez, chers téléspectateurs, je vous parlais du film, de la musique, du sport, de l'éducation. Aujourd'hui, on va parler du sport. Je suis déjà à Kagarama Secondary School où il y a le match opposant des élèves de Mount Kenya University ainsi que les employés de RBA qui est le Rwanda Broadcasting Agency. Je vais encore parler des football players ou bien des joueurs de football sur tous les côtés, que ce soit le côté de RBA ou bien le côté de Mount Kenya University of Rwanda. Je viens de vous dire, chers téléspectateurs, je vais parler à l'un des joueurs de Mount Kenya University qui est ici dans le match qui oppose l'équipe de RBA et l'équipe de Mount Kenya University of Rwanda. Je suis avec Kevin Paulin Manirambona, l'un des joueurs de Mount Kenya University. Écoutons Kevin Paulin Manirambona. Bonjour Kevin. Bonjour Karen. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu es parmi les joueurs de Mount Kenya University? Oui, oui. Tu joues à quel côté? Je joue en attaque. Attaque. Vous êtes déjà en deuxième mi-temps? Oui, oui, nous venons d'entrer dans le deuxième mi-temps. Et c'est combien maintenant? C'est un but à zéro. Un but à zéro. De l'autre côté, hein? Un but de Mount Kenya, ouais, ouais. Et zéro pour RBA. Ouais, je voulais savoir, vous avez de l'espoir que vous allez gagner? Sans doute. Nous sommes venus ici avec l'espoir à 100% qu'on va gagner et on est déjà à un but, alors nous espérons d'autres buts et encore gagner ce jeu. Qu'est-ce qui vous donne cet espoir, cette confiance de cette façon? Parce que tu sais, c'est pas la première fois qu'on joue avec... RBA. Non. Avec n'importe quelle équipe, c'est pas la première fois qu'on joue en tant qu'équipe. Alors nous n'avons pas encore vécu une défaite. Nous gagnons toujours. Alors, regardant le jeu que nous sommes en train de mener, je crois qu'on est capable de gagner ce jeu. Oh, merci beaucoup, Kevin. Merci aussi. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Comme je vous le disais, chers téléspectateurs, on est déjà au deuxième mi-temps du match qui oppose l'équipe de Mount Kenya University ainsi que l'équipe de RBA. Je suis avec l'une des fans des étudiantes de Mount Kenya University. Elle va nous dire comment elle voit le match en train de passer ici à Kagarama Secondary School. C'est bel et bien Emelance. Bonjour Emelance. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu te sens comment en rapport avec ce match? Oh, je suis très contente parce qu'on vient de marquer un but à zéro. Pour Mount Kenya? Ouais, pour Mount Kenya. Tu fais quoi à Mount Kenya University? Je fais mass media. Dans quel semestre? Semestre 2. Ok. Vous avez l'espoir que vous allez gagner, je crois bien. On a déjà gagné, donc il n'y a plus d'espoir. 1-0, pourquoi pas 2 ou 3-0. Vous ne croyez pas que l'équipe de RBA peut aussi marquer un but pour vous et ce sera de l'égalité? Non, je ne crois pas. On est le plus fort. Donc. Tu as la confiance à ton équipe. Oui, on va gagner. Nous sommes le meilleur. Ok, merci beaucoup, Emelance. Ok, je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous étions avec Emelance, l'étudiante de Mount Kenya University. N'oubliez pas de faire le subscribe sur notre YouTube channel, c'est toujours le Precision TV et moi c'est Karen Omutesi à la présentation. Comme je vous l'avais dit, chers téléspectateurs, on est déjà au deuxième mi-temps du match qui oppose les étudiantes du Mount Kenya University ainsi que ceux de RBA. Je suis avec l'un des joueurs de RBA, c'est bel et bien. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Je vais bien.
tu te sens comment? Ah, je me sens très bien. Je très vais bien. En forme. Vous pouvez vous introduire? Je suis Bernard Bendo, je suis présentateur, producteur de la Radio Rwanda. Okay. C'est bel et bien Bernard, producteur, présentateur du Radio Rwanda. Je peux savoir comment vous vous sentez avec un but par zéro, vous trouvez comment? C'est comme ça dans un match, parfois il y a un gagnant, il y a un perdant, on ne peut rien faire. Mais comme si vous l'avez remarqué, le match a été vraiment avec un sens amical. Nous avons très bien joué avec un esprit combatif. Tout le monde a essayé tous les moyens possibles pour qu'il puisse gagner. Mais entre les deux, il y a toujours un perdant. On ne peut rien faire. Nous avons perdu, mais nous avons eu un bon match. Oui, oui, c'était très bien. Je l'ai vu. Merci beaucoup, Bernard. Ok, merci beaucoup à toi aussi. Okay. Merci. Comme je vous le dis, chers téléspectateurs, on est déjà à la fin du match qui a opposé l'équipe de RBA ainsi que l'équipe des élèves, des étudiants de Mount Kenya University. Je vais parler au coach de RBA. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous pouvez vous introduire? Je m'appelle Jean-Claude Kuzigira, je suis journaliste à la Radio Nationale. À la BIE, bien sûr, et je suis le coach. Comment vous vous sentez en rapport avec du match? Quand même tout en joie, et chaque personne veut gagner le match. Comme on a perdu, nous ne sommes pas très contents, mais comme c'était un match amical, ça va quand même. Nous avons encaissé un but, nous ne pouvons pas arriver à trouver le but, mais comme ça, c'est un match, c'est un match, c'est un football. Et toujours, on les prend comme ça. Oui. Mais vous croyez, vous avez l'espoir que vous allez gagner en retour, je crois bien. Ah oui, oui, très bien. Parce que dans mon équipe, il y avait quelques absences de joueurs qui n'étaient pas là parce que notre travail demande beaucoup de gens. Il y a les gens qui n'étaient pas là. Mais j'espère bien que tout en avec tous mes joueurs, dès qu'ils sont là, quand même, le Mount Kenya, nous allons gagner. Oui, oui. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs, on est déjà à la fin du match qui a opposé l'équipe de RBA ainsi que l'équipe de Mount Kenya University. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'aimerais vous dire qu'ils ont marqué un but par zéro, un but pour Mount Kenya et zéro pour RBA. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. C'est toujours sur Precision TV. N'oubliez pas de faire le subscribe, de cliquer sur le like ainsi que de partager. Vous étiez avec moi, Karen Omoutesi, à la présentation. Merci beaucoup à Blaise pour la cabine technique. Merci beaucoup, je vous retrouve à la prochaine fois. Au revoir.